Bonjour ma petite soeur, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui on est le 1er décembre. Et le 1er décembre ça veut dire les calendriers de l'Avent. Mais cette année j'ai envie de changer. Si tout se passe bien, je vais vlogger toute la journée. Je ferai le montage vers 4-5 heures. Quand je n'aurai plus rien de spécial à vous dire. Moi je pense que vers 5 heures si je n'oublie pas, ou vous l'aurez le lendemain. Je sais pas encore si je fais à 4-5 heures ou je mets le lendemain. Enfin vous verrez bien à ce moment-là. Là je venais de me préparer, juste habiller, enfin bien préparer, vous savez ce qu'il faut faire le matin quoi. Il y a juste un truc que je n'ai pas encore fait, c'est on fera après, parce que là je vais déjeuner dans ma petite tâche Stitch, trop mignonne. Voilà, du coup, mon petit cacao du matin. Et on va s'ouvrir les calendriers de l'Avent. Pour le moment, j'en ai que deux. Je vais vous montrer ça. Un que j'ai acheté chez Action et l'autre à Paradise. J'avais soif. Oh, voilà. Les moustaches de chocolat. Du coup, je chope ça. On va commencer par le premier qui est déjà tout déchiré. Je retire le plastique et je vous montre. Parce que celui-ci, ça fait un moment que je l'ai. Truc pour spoiler. Du coup, il est comme ceci. Voilà. Et alors, on l'ouvre, c'est spa. Je l'avais déjà ouvert l'année passée, je crois, en story. Du coup, voilà. Hop. Voilà comment il se présente. Du coup, on va commencer à chercher la case numéro 1 qui se trouve juste ici. Normalement, c'est tout ce qui est beauté. Ah, ben, tout a bougé par contre, je crois. Le rabat sort. Ok. Je crois que tout a bougé. Allez, je viens à moi. Petite pépère. J'arrive pas à la voir. Bien sûr. Ça commence déjà. Voilà. Je l'ai sorti. Et je vous le montre tout de suite. Hop. Du coup, c'est ceci. C'est une crème. Enfin, je sais pas c'est quoi. Crème. Ah ouais. Crème pour les mains. Ça tombe bien. Hop. Il y a un petit... si j'arrive à le voir. Hop. Du coup, on aura un calendrier de beauté. Enfin, tout ce qui est crème. Hop. Je referme. Que j'avais déjà ouvert. Je pense que j'avais ouvert l'année passée sur... Il est un peu gras. C'est pas grave, je vais faire mes bras en même temps. Ah oui, je vous ai pas dit, il est à peine 8 heures. C'est dur, le réveil, ça pique. Je suis réveillée depuis 6 heures. J'ai ma blessure qui fait mal. Je sais pas si vous allez voir, mais... Oh non, vous n'allez pas voir. Juste ici. J'ai une petite blessure que le chat m'a fait. Dessous, ça pique. Du coup, le premier, le deuxième. Bien sûr, j'ai pas de ciseaux dans le coin. Je reviens tout de suite. Je suis de retour. Je vais retirer le plastique et je vous montre tout de suite. Celui-là, il me faisait trop envie. Quand je l'ai vu. Et celui-ci, je l'ai payé 30 balles. 30 balles. Non, en fait, j'ai payé 9,90 €. Exactement. Voilà. Mais ils sont super bons. Voilà, c'est le calendrier Jawel Condel. Joanne Condel. Et regardez le... Je sais pas si vous avez... Le 1, il est déjà à moitié ouvert. Du coup, ce sera des petites bougies... Il y a des bougies, des tartelettes,
Du coup, on va ouvrir un qui est déjà ouvert. C'est une bougie. C'est ça que c'est ouvert. Il y a un petit pot avec. Hop, il y a un petit pot. Je vous montre, il y a un récipient en verre, comme ceci. Avec une étiquette dessus. On regardera pour la retirer. Et une petite bougie verte. Elle sent bon. On l'allumera peut-être tantôt, avec marqué Jane Codel. Et du coup, celle-ci, c'est une verte. Il y a quoi? On a les goûts, mais franchement, ça doit être celle-là. En plus, il n'y a pas d'explication dessus. Ça doit être celle-là. Elle sent bon. Si je vais lire. Chant de Noël. Voilà, pour les deux premiers calendriers. Du coup, ça se présente comme ceci dans le petit porte-bougie. Elle sent bon. Et je vous reprendrai peut-être tantôt vers 10h, 11h30, parce que si tout se passe bien, croisez les doigts avec moi, comme les magasins rouvrent aujourd'hui, je vais aller vite à la FNAC. Parce qu'il y a le calendrier Pocket Jack de Noël là, en solde à la place de 58, il est à 30 euros. Du coup, je me dis, je vais aller le chercher. J'ai ma mamie qui vient me chercher à 9h45, 50. Donc ça, je suis pas loin de la trafic. Mais là, il pleut, c'est un temps maussade. C'est la pluie, la plouffe. Par contre, là, on voit mon oreille et là, on voit pas mon oreille. Enfin, soit, je sais pas bien ranger mes cheveux aujourd'hui. Pas grave. Et du coup, je pensais aller me chercher ce calendrier-là parce que j'ai envie de l'avoir. Et il y avait un autre qui me plaisait bien. Maintenant, celui-là, je ne sais pas si je l'aurai et si ça me tente vraiment. Il y a un avec Disney, c'est des petites histoires, mais les petites histoires, elles ont l'air toutes petites. Du coup, voilà. Voilà. Et je vais vous montrer un truc que j'ai acheté hier. Non. Hier? Ouais, hier. Comme ça, vous le verrez aussi. Je me suis trouvé un petit jeu Disney défi. 500 questions et défis pour une soirée pleine de magie. Voilà. Et franchement, il a l'air trop chouette. Entre amis et famille, ou en famille bien sûr, cette boîte de défis vous plongera dans j'ai pas encore assez bu, c'est pour ça. L'univers magique et coloré de Disney. Chantez libéré à tout va. Ah non, chantez libéré, délivré à tête, nu-tête, nu-tête. Oh, on vient d'éteindre les lumières. Parler comme dingo, répondre aux questions, quiz, dessiner pour faire deviner un personnage ou un film, éviter des mots interdits. 50 défis pour une soirée challenge émouvante. 100 cartes défi, 20 cartes spéciales magie Disney, un petit livre de règles du jeu, ça obligatoirement, et un plateau de jeu. Seul ou en équipe, voyons le premier résultat. Des 5 et atteinte le château de la Belle au Bois Dormant pour gagner, mais surtout s'amuser. Ouais, en fait, je vais vous montrer. Je vais essayer. Vous voyez, vous l'ouvrez comme ceci. Hop. Et alors, vous avez toutes les cartes qui sont là. Je vais vous montrer un peu. Vous avez deux dés. J'ai vu qu'il y en a un avec des chiffres, un avec des symboles. Peut-être le symbole, vous allez le voir là. Voilà. Le règle du jeu. Et ça, c'est toujours la boîte, quoi. Vous voyez, c'est la boîte. Et bien, la boîte, c'est le jeu. Voilà. Et voilà comment se présente.
Et il faut monter, hop, 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 pour aller ici. Voilà. Alors, si Mariette voit cette vidéo, je t'attends pour faire un défi Disney. Voilà. Et Joe aussi, hein, bien sûr. Joe la mèche. Du coup, les petits personnages, c'est trop mignon. Vous avez réponse. Sébastien, faut que je me rappelle. Petit Mickey. Magnifique. Et Aladdin. Je vous montre pas tout, mais là, vous avez la carte où vous devez chanter, siffler ou fredonner. Voilà. Et la première, c'est Rêve bleu, le duo de Jasmine et Aladdin. Il y en a cinq, il y a cinq petits trucs et il doit choisir. Trois, qui a peur des grands méchants loups? La chanson des trois petits cochons. Waouh, je ne sais même pas celle-là. Il faudrait que je me la remette dans la tête, celle-là. Peau d'âne. Celle-là non plus. Pauvre. Voilà, là, vous avez les chansons. Hop. Je vais faire comme ça. Là, on a les mimes. Seul ou un en groupe. Seul ou en groupe, les petits mimes. Là, on a Blanche-Neige dans les sept nains, Aladdin, Buzz, Abou et la méchante, la sorcière de la belle Blanche-Neige. Trop cool. Du coup, on a tout ce qui est mime. Là, on a tout ce qui est dessin. Franchement, il y a des nouveaux aussi. Elastic Girl, le génie, Fourchette, Kevin de là-haut. Et c'est mis entre parenthèses là-haut. Et Maléfique. Franchement, Maléfique, c'est facile. Tu fais des grandes, enfin des trucs pointus. On va trouver très vite. Mais Elastic Girl, on va faire des longs bras, des longues jambes. Ouais. Fourchette, une fourchette. Et le deuxième que j'avais en main, il y a Vaiana, La Maison de là-haut, Stitch, San Damasien et Scar. Franchement, ça doit être marrant, marrant, marrant. Alors là, vous avez les mots interdits. Les mots interdits. Je sais pas ce que j'ai fait tomber. Pas grave, je regarde après. Faites deviner réponse. Sans utiliser le mot cheveux or prince prince de tour. Ouh là là. Faire deviner. Réponse. Sans les longs cheveux. Ça va être compliqué. Sans cheveux or. Cheveux, virgule or. Virgule princesse. Et virgule tour. Voilà, comme ça. Franchement, ça va être compliqué, hein. L'autre, c'est quoi? Faire deviner les industries indestructibles sans utiliser le mot super-héros, pouvoir, famille et costume. Ça, il y a moyen. Violette, on peut faire un genre de bonbon violette à manger. Étirer. Ouais, ça doit être un peu plus facile, je pense. Enfin, c'est peut-être facile sur le coup, mais peut-être pas en le faisant. Le troisième, c'est faire deviner Coco Lapin sans utiliser le mot lapin, ours, forêt, rêve, enfant et peluche, animaux. Ouh là là, ça va être plus compliqué. Faire deviner la Coco Lapin. Faire un lapin. Ah, mais non, je ne peux pas. Lapin, tu peux pas le faire deviner. Ours non plus. Oh là là. Ni forêt. Ni enfant, et même la peluche, tu peux pas te le faire deviner. C'est compliqué. Faire deviner le monde de Nemo sans utiliser le mot mer, océan, poisson, clown, fils, néglorement et corail. Ouh là là, ça va être compliqué. Faire deviner sans, HANS. C'est quoi comme truc? Sans utiliser le mot reine, neige, prince,
Amour, cadeau, trahison. Ouais. Ça va être compliqué, hein, les défis. Enfin, les mots interdits. Voilà, là, on a des quiz. Des quiz. Voilà. Et le premier qui a l'air très facile, quel est le nom du royaume où vivent Anna et Elsa dans La Reine des Neiges? C'est Arendelle, Arendelle, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. C'est facile celui-là. Le 2, quel est le troisième vœu d'Aladin du génie? Le troisième vœu? On ne sait pas. Il demande que le génie soit libre de sa lampe. Ah ben oui, je suis pièce. Comment reconnaît-on tic et tac? Ben, il y en a un, c'est le nez. Enfin, le nez est différent. Et alors leur couleur aussi. Ils sont un plus clair et un plus foncé. C'est quoi qui marque? Réponse. Tic et un nez noir et tac a le nez rouge. Ou deux dents. Ah oui, il y a les dents, si je savais pas ça. Bon, je fais la quatrième, la dernière, parce que voilà. De combien de chiots Pango Pernita sont-ils parents? Attends. 14, 15 et 14 quand ils meurent. Il y en a qui meurent, mais il leur fait à la vie. Du coup, c'est 15. Si je ne me dis pas de bêtises. Une portée de 15 chiots. Ouais! Il y en a un qui meurt. Ici, vous avez tous les quiz. Vous avez quand même un beau paquet de quiz. Hein. Regardez ça, c'est un beau paquet. Hein. Et là, je ne sais pas, c'est des cartes plus différentes avec une petite fée clochette. Trop mignonne. Bon, je crois que ça, c'est faut partager. Et alors, il y a clochette, il y a Abou, il y a un Stitch. Un Stitch. Voilà, maléfique. Maléfique. Je ne sais pas comment ça joue encore. Réponse. Voilà. Je ne sais pas du tout comment ça se joue. Mais ça doit être assez marrant quand même. Voilà. Bon, on va se remettre ça dans son. Ouais, c'est l'élastique que j'avais fait tomber. Et en plus, c'est un beau élastique. C'est un élastique comme vous mettez au masque pour le moment. Hop. Ça va être amusant, je pense, de jouer tous ensemble un petit quiz avec nos petits dés. Ils sont tellement minuscules que j'ai peur de les perdre. Voilà, voilà, voilà. Bon, sur ce, moi, je vais vous laisser là. Je vous reprends tantôt. Tantôt, tantôt, tantôt. Si je sais, si je n'oublie pas, je vous prendrai peut-être quand je serai au magasin. Comme ça, vous allez voir un petit peu s'il y a du monde ou pas. Voilà. Moi, je dois aller juste à la Fnac. Et voilà. Je regarderai peut-être si je vois un livre ou deux. Mais voilà quoi. J'ai encore tellement à lire que. Voilà. Sur ce, je vous dis à tantôt. Et bonne journée jusqu'au moment où je reprendrai ce vlog. Allez, bisous, 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 bisous.
notre coucou qui est en galère pour trouver un calendrier de l'Avent Jack. Moi, mais enfin, j'en ai trouvé un. Ah, ça sent le quick. Mais je suis contente, j'en ai trouvé un. Je vais le chercher là. À trafic. Bon, il ne sera pas au prix que je pensais, mais tant pis, on va faire avec. Voilà. Au matin, j'ai été à la Fnac, mais il n'y en avait plus. Du coup, j'ai recherché toute la matinée après un sur internet. Et il y en a un qui reste, juste un, à trafic. Du coup, j'ai fait le trajet à pied, en métro et en pied, pour venir chercher le calendrier. Pour ça, je vais vous laisser, je vais rentrer dans le magasin. On se retrouve après. Recoucou, regardez ce que j'ai. Oui, j'ai trouvé le calendrier. Il était temps. Après une journée de bataille à chercher, je l'ai quand même trouvé. Maintenant, je rentre et je vous fais ça avec vous. A tout de suite. Me revoilà et je l'ai trouvé. Je suis contente. Oh, ça, c'est le coup de grâce. Il m'a fallu toute la matinée. C'est pour ça que je ne vous ai pas repris. Parce que quand j'ai été ce matin à la Fnac, je ne l'ai pas trouvé. Tout le monde me disait qu'il n'y en avait plus. Du coup, j'étais déçue, j'étais triste. Et quand je suis rentrée, j'ai fait mon ménage. J'ai fait ce que j'avais besoin de faire. Et à début d'après-midi, je me suis mis à chercher un petit peu parce que j'étais déçue de ne pas l'avoir trouvé. Mais je suis contente. Oh, y a un scratch. Du coup, le voilà, le si beau calendrier de l'Avent. Il me frappe aujourd'hui, il n'a pas envie. Du coup, je suis toute contente. Et celui-ci, il ne faut pas chercher. Le premier est juste ici. Qu'est-ce qu'on va voir? C'est dans des petits sachets. Hop, on le referme. Je dépose là derrière moi. Je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas, je devine pas, j'ai pas envie. Voilà. Hop, du coup, on va voir. On va voir. Oh! Bon, c'est pas Halloween, mais il est trop beau. Oh, j'adore. Je suis contente d'avoir rugé pour l'avoir, ce petit calendrier de l'Avent. Regardez ça, il est trop mimi. Ça, je ne sais pas c'est quoi. C'est pas grave, on va remettre là. Et vous avez pas vu, mais j'ai un peu craqué pour un autre calendrier de l'Avent. Je pensais pas, mais... Tadam! Du coup, voilà. On va s'ouvrir ça. Comme ça, après, je pourrais monter ce vlog. Enfin, petite vidéo, c'est même pas un vlog. J'aurais dû lire, mais là, j'ai pas le crédit de lire. On verra demain si j'ai l'occasion. Voilà. Il est aussi beau. Bon, moi, les autres années, je les avais pas pris. Du coup, voilà. Il souffle comme... Hop. Comme l'autre. Bon, je vais faire comme ça. Hop. Le premier est juste ici, comme d'habitude. Enfin, comme les autres. Oh! Allez. Voilà. Hop. On a la petite figurine qui est juste ici. On va tout refermer. On va mettre de côté. On va prendre la petite figurine. Ah, celui-là, on voit à travers. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais celui-là, on voit à travers. Du coup, c'est Harry. Harry Potter. Comme ça, vous voyez bien. Il est beau quand même. Par contre, ça, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas ce qu'il a dans sa main. Mais il est très beau. Il est bien détaillé. Voilà pour les deux petits calendriers de l'Avent. Comme ça, j'en aurai 4. Et j'ai craqué pour un chocolat. Voilà, bon. C'est moins amusant pour vous, ça, mais... Voilà, j'adore Kinder. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas m'ouvrir un calendrier de l'Avent Kinder. Avec mes mini-ciseaux, là. C'est des mini-ciseaux de précision. Vraiment, c'est facile. Voilà. Bon. La case 1 est juste ici. Je vais mettre de côté. Et c'est un mini...
Et quoi qui est marqué? Des petits mini. Ça a l'air bon. Enfin, c'est ce que j'aime bien en fait. Je vous sais. Je vais vous faire baver. Du coup, ça se présente comme ceci. J'essaye de pas mettre. Oh! Le chocolat sur mon clavier, il est fourré à l'intérieur. Et il y a deux morceaux. Voilà. Celui-là, je vais le cacher pour mon chéri. Qui me le pique pas. C'est bon. Voilà. Sur ce que j'ai fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais bon, en tout cas. Que cette vidéo vous aura plu. Que. Dites-moi si vous en voulez encore ou je les ouvre par vidéo tous les jours au matin. Je fais un petit vidéo et je vous le passe pour le matin ou l'après-midi, je sais pas. Si je vais mettre après-midi. Tant que je le monte, je pense que pour aujourd'hui, je me mettrai vers 4h. 4h, 4h30. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura, enfin ce petit vlog vous aura plu. N'oubliez pas. Ah, mais je pourrais peut-être vous montrer. Attendez. Je vais pas faire ça pour rien. Voilà. Je ferai une vidéo, mais c'est pas grave. J'ai quand même acheté quelques livres à la Fnac et chez Club. Il y a une youtubeuse qui, enfin, une qui m'a tenté pour Carlina. Voilà, au prix de 9,90, ça vaut le coup au lieu de 15-16 euros. Du coup, je me suis pris. Après, je me suis pris un truc spécial, c'est ceci. Mais tuto sorcière, bienveillance, féminine, éclatique, magique, de chez Kizzy, Kizzy. Mademoiselle Audrina. Il est trop beau et il est illustré. Regardez ça, il y a des petits dessins dedans. Trop beau. Regardez ce portrait là. Il est trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Je suis contente, je suis contente. Après, j'ai encore trois à vous montrer. Je me suis pris celui-ci malgré nous. Il a l'air vraiment pas mal. De Julia Droge aux éditions Mister et Castanera. Je ne sais pas, je ne connais pas. Il a l'air pas mal aussi. Il est écrit assez gros. Bon, moi, il me faudra une semaine pour le lire. Voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle, par contre. Oh, mes ciseaux. J'ai failli me planter, moi, toute seule. L'amour n'existe encore vraiment. Ici, c'était. Et c'est décidé depuis la disparition tragique de sa Cassandra Cole. Ne laissera plus jamais l'amour se le faire souffrir. Pour noyer son chagrin, il enchaîne les aventures sans lendemain et refuse de s'attacher. Mais un soir, une inconnue va bouleverser ses certitudes. Viendra-t-elle longer la liste de ses conquêtes ou comprendra-t-elle un peu plus pour Cole? Il a l'air vraiment pas mal. Col, il me tente. Après, je me suis tentée pour un petit. Tout le monde en parle sur YouTube. Les ours mal léchés apprivoisés à Noël de chez Hugo Roman au Nous Roman de Valentine Star Gamme. Voilà, il est trop beau. Là non plus, j'ai pas. Le description, j'avais tellement parlé que, entendu parler que voilà, il m'a tenté. Malgré une quotidienne bien huileuse, Ira a l'impression de passer à côté de son destin alors qu'elle apprend que la vieille amie de sa grand-mère lui lègue sa maison à Lanterre dans un endroit. Elle n'hésite pas. Et elle saute seule dans le premier avion direction Charlottetown. Voilà, à l'aube des fêtes de fin d'année, elle démarre une nouvelle vie dans sa nouvelle voisine.
dans sa nouveau voisin. Le certitude lourfongue, une papillote servée, mais surtout rochelle, solidaire et buveur, neuf depuis 2 ans, aussi attiré par l'argent, cet homme de caravane. Bon voilà, il a l'air vraiment pas mal et il tente vraiment. Et le celui que je voulais absolument. Oh putain, il est tout noir. Je crois que je frotte, je frotte, je frotte. Ça part, ça va. C'est celui-ci, il me tentait vraiment bien. C'est Coupable d'aimer. Coupable, I Love You, de chez Hugo Poche, dans la collection Nous Romans, de Isabelle Landiaï. Voilà, je ne sais pas comment ça se prononce. J'ai des taches. Voilà. Dans celui-là, franchement, je n'ai même pas lu la quatrième de couverture. Il me tentait vraiment. Voilà. Sarah est une jeune fille avocate parisienne totalement dévouée à son travail. Aux grandes dames de la famille, de tous les combats, elle n'hésite pas à mettre régulièrement son boss et ses collègues en match à dos, en marche à dos, pour défendre des convictions lorsque sa sécuritaire sous-forêt ne peut assurer un rendez-vous. Sans un palace, Sarah accepte de prendre place convaincument, de dévoiler un adultère social et tombe dans l'inconnu, aussi beau qu'il inattendu. Dès leur première rencontre, l'universin. Putain, j'ai une tache à mon merde. L'univers de Sarah bascule, pertinemment d'avoir trouvé l'amour de sa vie. Elle est prête à tout pour continuer à voir. Elle troque alors ses conversions pour les talons aiguilles, mais de son côté, l'inconnu pour vivre idéal et mensonge sale. Mais peut-être, mais pourrait-elle vraiment remettre au placard les valeurs pour un homme qui ne la connaît pas, qui risque de se perdre? Voilà, j'adore. Je suis fan des drames. Voilà. Sur ce, moi maintenant, je vais vous laisser là. Je vous bouscule, mais c'est pas grave. C'est mon bureau. Je vais monter cette vidéo avant que monsieur rentre. Enfin, je vais essayer parce que logiquement, il vient de terminer. Ça va être compliqué. Sur ce, j'y viens de finir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin, vidéo vlog. Sur ce, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Mais à demain pour l'ouverture des calendriers. Bye bye tout le monde!